Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien? Alors, ce sont les vacances d'été. Je vous propose pour cela un texte intitulé Au bord de la mer. Regardez bien l'image. Voilà. Alors, écoutez bien, essayez de lire et passez d'agréables moments. Au bord de la mer. C'est le début de l'été. Il fait chaud. Les gens partent se baigner à la piscine ou à la mer. Alors, Mehdi et son grand frère Hassan vont au bord de la mer. Sur la plage, il y a beaucoup de monde. Des parasols de toutes les couleurs sont plantés dans le sable doré. En arrivant, Mehdi rencontre son ami Abdou. Allons nous baigner, propose tout de suite Abdou. Vous faites attention, Mehdi ne sait pas très bien nager, crie le grand frère. Abdou et Mehdi entrent dans l'eau, Mehdi avance lentement. L'eau lui monte jusqu'aux genoux. Abdou, très sûr de lui, l'encourage. Viens, je vais te montrer. Fais comme moi. Tends bien les bras. À cet instant, arrive une vague. Abdou, qui donnait des explications à Mehdi, ne la voit pas. Il boit la tasse et se met à tousser et à cracher. Ne bois pas toute l'eau. Les ondes pour les poissons, dit Mehdi en souriant. Un texte proposé par Anis Benjelloun. Alors il faut comprendre, il y a se baigner, c'est-à-dire aller dans l'eau pour nager. Le genou, partie de la jambe, qui permet de la plier. Boire la tasse, ça veut dire avaler de l'eau de mer sans le vouloir. C'est ce qu'on appelle boire la tasse. Cracher, c'est rejeter de l'eau hors de la bouche. Je recommence encore fois le texte. Allez-y, suivez avec moi. Au bord de la mer. C'est le début de l'été. Il fait chaud. Les gens partent se baigner à la piscine ou à la mer. Mehdi et son grand frère Hassan vont au bord de la mer. Sur la plage, il y a beaucoup de monde. Des parasols de toutes les couleurs sont plantés dans le sable doré. En arrivant, Mehdi rencontre son ami Abdou. Allons nous baigner, propose tout de suite Abdou. Vous faites attention, Mehdi ne sait pas très bien nager, crie le grand frère. Abdou et Mehdi entrent dans l'eau. Mehdi avance lentement. L'eau lui monte jusqu'aux genoux. Abdou, très sûr de lui, l'encourage. Viens! Je vais te montrer, fais comme moi, tends bien les bras. À cet instant, arrive une vague. Abdou, qui donnait des explications à Mehdi, ne la voit pas. Il boit la tasse et se met à tousser et à cracher. Ne bois pas toute l'eau, les ondes pour les poissons, dit Mehdi en souriant. Voici des questions, vous pouvez trouver des réponses. Quels sont les personnages du texte? Lisez bien et essayez de répondre. À quel moment de l'année se passe cette histoire? Est-ce qu'en été, en hiver ou en printemps? Je ne sais pas. Pourquoi Mehdi avance-t-il lentement? Abdou,
veut apprendre à nager à Mehdi, relève la phrase qui le montre. Qu'arrive-t-il à Abdou? Je répète encore une fois des questions. Essayez de répondre tout seul, sans l'aide de personne. Essayez d'abord de lire plusieurs fois le texte et recopier les questions. Essayez de trouver les réponses oralement. Quels sont les personnages? À quel moment de l'année se passe cette histoire? Pourquoi Mehdi avance-t-il lentement? Abdou veut apprendre à nager à Mehdi, relève la phrase qui le montre. Et qu'arrive-t-il à Mehdi? Abdou. Je consolide, c'est-à-dire je lis ces mots à voix haute. Allez-y, avec moi, un grand frère, essayez de lire à haute voix, un grand frère, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oui, à voix haute, un grand frère, le sable, oui, plus haut, répète encore voix, le sable, les bras, plus haut, plus haut. Très, plus haut, à haute voix, planté, 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 entre, entre, propose, propose, crie, crie, montrer, montrer, cracher, encore fois, un grand frère, plus haut, le sable. Les bras, très, planté, entre, propose, crie, montrer, cracher, encore une fois, un grand frère, oui, le sable, les bras, très, planté, entre, plus vite, propose, crie, montrer, cracher. Maintenant, vous allez lire. C'est le début de l'été jusqu'à le sable doré. Première chose, regardez bien les mots, essayez de lire lentement. Et la prochaine fois, rapidement. C'est le début de l'été. Le début de l'été. Il fait chaud, 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 chaud. C'est pas chaud, non. Chaud. Les gens partent se baigner, attention ici, baigner, se baigner. À la piscine ou à la mer. Mehdi et son grand frère Hassan vont au bord, bord, au bord, au bord, vont au bord de la mer. Sur la plage, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Des parasols de toutes les couleurs sont plantés dans le sable doré. Alors, lisez maintenant à haute voix et rapidement. Deuxième série de lecture en arrivant jusqu'à bien les bras. D'accord? Bien les bras. Tends bien les bras. En arrivant, oui, Mehdi rencontre son ami Abdou. Rencontre son ami Abdou. Mehdi, voilà Abdou, rencontre, voilà voici Mehdi, rencontre son ami Abdou. Allons nous baigner, propose tout de suite Abdou. Vous faites attention, Mehdi ne sait pas très bien nager. Ah bon, c'est ça ce qu'on appelle Mehdi. Je me trompe. Alors voici Mehdi. Et voici Abdou. Allons nous baigner, propose tout de suite Abdou. C'est ça Abdou. Et voici Mehdi. Abdou et Mehdi entrent dans l'eau. Mehdi avance lentement. Ça veut dire doucement. Sans problème.
L'autre lui montre jusqu'au genou. Voici les genoux. L'autre lui montre jusqu'au genou. Abdou, très sûr de lui, l'encourage. Viens, je vais te montrer. Fais comme moi. Tends bien les bras. À cet instant arrive une vague. Abdou, qui donnait des explications à Mehdi, ne la voit pas. Il boit la tasse et se met à tousser et à cracher. Voilà. Alors jusqu'ici, oui. Essayez de lire en arrivant jusqu'à les bras. Et le dernier paragraphe. À cet instant arrive une vague. Abdou, qui donnait des explications à Mehdi, ne le voit pas. Il boit la tasse et se met à tousser et à cracher. Ne bois pas toute l'eau, laissons pour les poissons, dit Mehdi en souriant. Ne bois pas toute l'eau, laissons pour les poissons, dit Mehdi en souriant. Le pêcheur et le coquillage. Le pêcheur et le coquillage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors à la prochaine.